Joseph de la Capelle, catholique et légitimiste. Donc, génération identitaire, nous sommes le 3 mars 2021. Donc, le gouvernement a décidé de dissoudre génération identitaire. Eh bien, c'est normal. Donc, mon soutien complet à tous les membres de la génération identitaire, avec leurs variantes, etc. C'est normal qu'ils vous dissolvent parce que vous êtes à l'opposé de ce qu'ils sont. Monsieur Macron et Monsieur Castex, vous êtes très méfiant par rapport au libéralisme des idées. Vous aimez l'identité de la France. Donc moi, je suis un vieil identitaire. Donc moi, mon identité, c'est catholique et légitimiste. Et mon modèle, c'est Sainte Jeanne d'Arc. Donc vous avez certainement, il y a certainement plein de variants. Il y en a certainement qui ont l'identité de la région, des choses comme ça. Enfin bref, puis certainement aussi, certains sont assez religieux, etc. Enfin, il y a certainement plein de variants. Mais en tout cas, vous avez mon soutien plein et entier. Tout est inversé. C'est-à-dire que vous êtes pour que les Sénégalais soient heureux chez eux, que les Algériens soient heureux chez eux, que les Égyptiens soient heureux chez eux. Eux, ils veulent qu'ils viennent chez nous, les Macron et Castex et tout ça, et qu'ils soient malheureux chez nous. Donc, et c'est vous qui êtes raciste. Donc, cherchez le problème. Donc, tout est comme ça. C'est-à-dire que aujourd'hui, si on aime notre pays, si on aime sa culture, son identité. Donc c'est vrai que par contre que la France est malade depuis juillet 1830 parce que il y a deux France, il y a la France républicaine et franc-maçonne, mais ça je pense que vous n'êtes pas trop de ce côté-là, et puis il y a la France catholique et royale. Et il y a aussi la France païenne, parce que certainement que chez vous il y a énormément de païens que je respecte énormément et qui sont très attachés à l'identité de leur pays. Il y a souvent des traditions druidiques, etc. Donc, moi, ce que je vous propose, là, certainement que vous allez refonder quelque chose ou tout ça, mais de profiter de cette période de carême, pour les catholiques, de vous ressourcer, ça c'est très important. Et puis, pour les païens, de méditer dans la campagne, etc. Parce que c'est tout le côté un peu druidique, c'est bon, les arbres, les fontaines, etc. Donc, c'est normal qu'ils vous aient dissous. C'est-à-dire que c'est tout à votre honneur. Je pense pas qu'il y ait eu beaucoup de gens, j'ai pas entendu dire qu'il y ait beaucoup de gens chez vous qui aient tué des gens ou massacré des gens, j'ai pas entendu parler. Vous avez été sur les frontières, je trouve que ça a eu beaucoup de panache pour montrer qu'il y avait une frontière en France et qu'il fallait pas rentrer comme ça, donc je trouve que vos actions étaient belles et voilà, c'était le panache français. Ce que je vous propose quand même, c'est d'écouter régulièrement les vœux de Louis XX, parce que sur un peu plus de 8 minutes, il donne absolument énormément de choses. Puis en plus, le roi, il y a aussi un côté magique, c'est-à-dire que ça fait du bien. Puis c'est tellement différent de ce qu'on a l'habitude d'entendre que c'est très bon. En tout cas, vous avez tout mon soutien. Je prie bien pour vous tous, les catholiques et les païens. Je prie bien pour vous, mais c'est normal, il ne faut pas que vous soyez triste de cette démarche, c'est normal. Alors je sais que ça c'est dur, parce que ça, il y a tout un passé, etc. Mais surtout, gardez l'espérance, on est de tout cœur avec vous, on prie pour vous. Sainte Jeanne d'Arc, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Saint Joseph, Notre-Dame de France, Notre-Dame de Boulogne, priez pour nous. À très bientôt, Deus et Rex.